Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un site en fait qui vous permet de jouer contre d'autres joueurs pour de l'argent. Donc c'est pas un site pour gagner d'argent en farmant sur les jeux, c'est un site où en fait vous misez de l'argent sur vous-même. Et à partir de là vous faites des matchs contre d'autres joueurs sur le site. Et si vous gagnez, bah, vous remportez votre mise. C'est-à-dire tu mises 5 $, lui tu mises 5 $, à la fin tu remportes le pot, tu gagnes 10 dollars. Donc il y a plusieurs jeux. On a du Call of Duty, du Smash Bros. Il y a Apex qui vient d'être ajouté. Il y a Fortnite et il y a FIFA. Bon, moi je joue principalement à FIFA. Donc voilà. Et apparemment, de ce que j'ai vu en fait pour les Battle Royale, c'est pas du. Comment ça se passe les Battle Royale? Sur le site en fait, apparemment c'est du 1v1. Faudrait lire les règles, mais. C'est du 1v1 où en fait celui qui fait le plus de kills à la fin de notre adversaire bah, remporte la partie. Alors bon, c'est en anglais, hein, mais bon, ça reste de l'anglais basique, accessible. Donc bah, suffit de s'inscrire sur le site, le lien est en description évidemment. Et d'ailleurs, avec le lien, je crois que vous bénéficierez d'un bonus où vous doublez votre dépôt. Donc, bah, je répète bien, c'est pas pour farmer, gagner de l'argent, c'est pour miser de l'argent en fait. Et faut savoir que il n'y a pas que des rigolos, hein. Y a pas que des rigolos sur ce site, donc il y a des pros, hein. C'est pour ça que en fait, moi, ça m'intéressait à niveau FIFA parce que. Bah, c'est pas que je suis extrêmement bon, mais je suis quand même assez bon, donc ça m'intéressait de voir un peu le niveau quand fallait jouer de l'argent. Et c'est vrai que, ouais, enfin, il y a vraiment des tueurs, mais après, il y a aussi des joueurs comme vous et moi, avec un certain niveau, et ça reste donc accessible. Donc, comment ça se passe, par exemple, pour FIFA? Vous arrivez là, c'est le matchmaking, donc là, vous avez différentes parties avec différentes mises. Donc là, il y a le 1 $, 5 $, 10 $. Et ce qui est cool aussi, c'est que bah, y a les parties gratuites. Et donc, par exemple, si vous gagnez 4 fois à la suite ou 4 fois tout court, je sais pas trop, mais vous gagnez 1 $. Donc voilà, ça c'est cool. Après, vous avez les tournois. Vous avez les tournois où voilà, y a plein de joueurs et puis à la fin ça fait un prize pool total et puis vous êtes payé au prorata de votre place. Donc perso j'en ai jamais fait mais bon, ça reste quand même intéressant. Il y en a un par jour mais voilà. Après il n'y a pas forcément beaucoup de monde hein, sur ce site mais qui sait peut-être que cette vidéo rameutera plusieurs gens. Donc au niveau légal, bah c'est légal en fait. Après c'est pas autorisé, enfin c'est pas. On va dire qu'il n'y a pas de licence de l'argent, etc. C'est comment dire une plateforme internationale. Et bon après ça reste très sérieux. Hein. Moi j'ai joué, j'ai déposé mon argent, j'ai retiré mon argent, pas de problème. À ce niveau-là. Donc après, un petit truc à savoir par exemple, c'est que bah. Après, c'est PlayStation 4, Xbox One, donc moi je suis sur Xbox, donc voilà. Et vous avez la possibilité de switcher sur PS4. Enfin, de toute façon, au moment de l'inscription, vous mettez votre gamer tag, tout le tralala, et puis après, ça vous met ça automatiquement sur le profil. Donc pour payer, bah oui, parce que c'est ça le truc, hein, en fait, c'est. Ça reste une plateforme de versus, un peu une plateforme e-sport pour parier de l'argent. Donc par carte, Bacon, Skrill, voilà. Et puis au niveau des retraits, c'est pareil. Après, je crois qu'il y a une petite vérification pour le retrait où genre vous devez télécharger une copie de votre carte d'identité ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas méchant, c'est normal. Ça safeise le truc, donc c'est cool. Donc après un petit truc qu'il faut savoir c'est par exemple en fait il y a ça où vous allez joindre la machin et joindre la room de 1 $ par exemple et en gros ça va vous trouver un adversaire automatiquement au bout d'un certain temps sauf que comme il n'y a pas forcément beaucoup de monde en fait c'est pas sûr que vous en trouviez un tout le temps
Donc, ce qui est bien de faire en général, c'est plutôt, si vous en trouvez pas dans les rooms là, c'est plutôt d'aller là ici. Puis soit vous mettez game, ben vous dites ouais, je joue pour 5$, machin machin. Donc là, il y a forcément quelqu'un au bout d'un moment qui va vous envoyer une invitation, ça dépend, mais sinon, plus simple après, ça reste de cliquer là et puis vous avez la liste des joueurs en ligne. Donc à partir de là, vous pouvez aller regarder sur leur profil. Voilà. Et oula putain, lui là, je prends 250$. Bon, lui, c'est pas rigolo du tout. Mais donc là, vous avez les statistiques du type, ses dernières victoires, ses dernières défaites, etc. Après, il y a des règles, hein, vous pouvez mettre les règles, par exemple pour FIFA. Bon, là, c'est du classique, mais vous pouvez dire que des équipes 4 étoiles, 3 étoiles, etc. etc. Et en fait, oui, à la fin du. Par exemple, pour FIFA, parce que c'est vraiment ce que je fais moi. En fait, à la fin, comment ça va se passer à la fin du match, c'est vous qui allez dire le score et vérifier le score, ou l'adversaire qui va dire le score final et vous allez valider. Et le truc, c'est que de toute façon, vous pouvez pas vraiment mettre de carottes. Genre, si vous perdez 2-0, mais vous dites que vous avez gagné 2-0, au final, ça va se retourner contre vous parce que l'autre joueur, il va mettre une preuve par une photo que c'est lui qui a une photo du résultat final, que c'est lui qui a gagné. Et au final, vous allez et perdre l'argent que vous avez misé, et en plus, vous risquez de vous prendre une pénalité de quelques dollars, voire un ban. Donc, il y a un support très réactif par rapport à ça, donc c'est plutôt cool. Et donc aussi, après, une fois que vous avez vu le profil et que bah, vous dites, bah lui, j'ai envie de le défier, tout ça, bah, vous cliquez sur Send Challenge. Bah, vous choisissez votre console, votre jeu. Et là, du coup, vous mettez votre mise. Donc, bon, évidemment, avec les prix forts, mais après, vous pouvez mettre le prix que vous voulez, hein, entre 1$ et ce que vous voulez. Et puis là, vous avez les rules. Donc là, c'est là où je vous disais, vous pouvez choisir le nombre d'étoiles de l'équipe que vous voulez jouer, la durée du match, etc. Et puis, bah, vous pouvez mettre des règles personnalisées, tout ça. Donc après, vous envoyez le challenge. Et à partir de là, bah, le mec va soit l'accepter, soit le refuser, et de toute façon vous recevrez une notification si vous l'acceptez ou le refusez. Et s'il est accepté, bah vous allez devoir valider le match, et puis vous allez l'ajouter en ami en fait, et puis vous allez commencer le match. Une fois que vous l'avez ajouté en ami et que vous êtes prêt à jouer le match, bah vous validez le match, et il y a un compteur à partir de là qui se met en place de genre vous avez 1 heure pour jouer le match. Et donc à la fin de cette heure, il y aura soit vous, soit lui qui aura mis le résultat qui sera validé ou non. Ouais, donc voilà. Là, j'ai pas reçu d'invitation. Mais bon, après, en fait, franchement, comme c'est des joueurs qui viennent des États-Unis ou du monde entier, ça dépend des heures, hein, décalage horaire, tout ça. Donc voilà, écoutez, hein, moi j'ai fait une vidéo comme ça parce que je pense que y a pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment ce site. Et moi, je trouve que ça reste intéressant. Dans le sens où tu es quand même prêt à déposer un peu d'argent pour pouvoir jouer pour de l'argent contre d'autres joueurs, mais moi de ce que je sais, il y a vraiment des pros. Il y a des joueurs réguliers qui arrivent quand même à se faire pas mal d'argent, mais bon après il faut quand même avoir le niveau. Mais rien t'empêche de mettre 10$, en plus t'as le bonus, donc t'as des dollars en plus pour jouer, voir un peu comment ça se passe et tester ton niveau. À un niveau autre que celui régulier en jouant en ligne. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, il y a le lien dans la description. Et bah, n'hésitez pas à donner votre avis si vous êtes inscrit, à dire comment ça se passe, à poser toutes vos questions auxquelles je n'aurais pas répondu pendant la vidéo. Et écoutez, bah, je vous souhaite à tous une bonne partie, des bonnes parties à tous. Au revoir. Bye bye.